Alors voilà Gorjuna Trepcha. Et donc là c'est une petite demeure qui n'est pas du tout dans le ton de ce qui serait plus loin. Et donc on arrive à Gorja Trepcha, la fameuse station thermale donc, où je vais depuis maintenant 4 ans. Donc je vous fais une petite vidéo de l'arrivée, histoire que vous ayez un peu mieux conscience de ce à quoi ça ressemble et des bons moments qu'on peut y passer. Bon là c'est le coup de bol, aujourd'hui il fait très beau et donc ça prend une autre dimension. Mais bon, ça reste quand même des séjours pas faciles et il faut avoir un moral d'acier pour s'y tenir. Donc voilà, on est en ville, hein. On arrive, on n'est pas downtown effectivement, mais pas loin. Et donc l'accueil est plutôt riant, voilà. Et donc ça y est, là c'est l'avenue principale. Et donc vous allez enfin découvrir à quoi ça ressemble. Alors comme je vous le disais, de nombreuses maisons pour accueillir touristes, curistes et différents trucs, hein, construits tout et n'importe comment, c'est la vraie bordel, c'est tout ce qu'on peut en dire. Quelques petits restaurants sur les côtés, là vraiment on est dans le centre, on est tout près de l'endroit où je fais ma cure. Donc j'arrive. Et donc là c'était ma copine Jacqueline qui nous disait bonjour. Voilà, là donc des petites maisons, la maison de mon médecin là, monsieur Alekic, c'est là où je fais mes massages, la radiothérapie. Là c'est donc le centre de cure, enfin non, l'endroit où je dors, la pension Vravlak, avec les bungalows roses là qui sont... donc l'endroit où je dors, voilà. Ça c'est l'hôtel Fontana, qui est plus chic dans le coin. Et puis maintenant on va monter vers le centre-ville, vers le centre de cure. Comme ça vous aurez mordu l'ensemble de la station thermale et de la gaieté qui y règne. Comme vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de bien. Ça c'est les petites échoppes où on peut acheter pas grand chose, vraiment pas grand chose. Et donc là on se rapproche du centre de la source elle-même qui en fait est ici. Voilà. Voilà, l'eau arrive là, à cet endroit, et c'est là où je faisais mes cures précédemment et où je faisais mes bains. Voilà, vous avez